Moi, j'ai comme l'impression que plusieurs personnes pensent que le déblocage des iPhones, c'est de la magie. Hello, like, subscribe. Si actuellement, si tu as un iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, alors je te dis ceci et c'est la dernière fois que je vais faire une vidéo par rapport à cette méthode de déblocage. C'est une méthode de contournement du verrouillage d'activation iCloud. Actuellement, si tu as un iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud ou encore un iPad, voici ce que tu vas faire. Tu vas télécharger l'application iRemove.tools. Tu peux aller sur le site iRemove.tools. J'ai laissé le lien. Voici le lien. Tu vas chercher Bypass Activation Lock. Tu vas sélectionner Bypass Activation Lock et une fois sur la page du Bypass Activation Lock, tu as la possibilité de télécharger l'application sur ton PC Windows ainsi que si tu as peut-être Mac, alors tu vas aussi télécharger sur ton PC macOS. Donc ça marche sur deux systèmes, Windows et macOS. Je pense qu'une personne normale peut avoir un Mac ou encore un Windows. Donc la majorité des personnes utilisent Windows. Déjà, les Windows, c'est le système le plus utilisé dans le monde. Mais si maintenant vous n'avez pas un PC, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a des cybercafés, vous partez dans un cybercafé, vous prêtez un PC et là vous utilisez ou encore des demandez un PC à votre ami et vous l'utilisez. Lorsque vous allez télécharger l'application, alors vous allez installer l'application. Installer, c'est facile. Ça ne sera pas vu comme un virus. C'est une application qui est legit. Donc, quand je dis legit, ça veut dire que c'est fiable à 100%. Lorsque vous avez téléchargé l'application, vous allez maintenant ouvrir l'application. Ensuite, vous allez prendre votre téléphone. Si votre téléphone est sur le verrouillage d'activation iCloud et on te demande l'identifiant Apple et le mot de passe, alors c'est bien. Donc, c'est l'écran de verrouillage qu'il faut. Et maintenant, si ton téléphone est bloqué sur le mot de passe, alors il va falloir restaurer. Si c'est bloqué sur indisponible, alors il va falloir restaurer. Ou encore, si c'est bloqué sur désactivé, alors il va falloir restaurer. Pour restaurer un iPhone, alors il te faut l'application 3eTools. Maintenant, pour télécharger 3eTools, pour utiliser, ou encore, j'ai déjà fait la vidéo sur comment restaurer un iPhone ou encore un iPad. Ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas juste cliquer sur le lien de la vidéo à la description de cette vidéo-ci et le tour est joué. C'est assez simple. Maintenant, lorsque ton téléphone sera restauré, tu vas connecter ton téléphone à l'application. C'est l'application qui va déterminer si ton téléphone est compatible avec réseau. Si c'est compatible avec réseau, alors tu pars directement sur la page de paiement et là, tu pourras payer avec le code promo SchoolKit237 pour avoir une réduction. Si tu vois, l'application te dit que non, ton iPhone est compatible, mais on a écrit no signal. Ça signifie que pas de réseau. Donc, ça veut dire que si tu débloques ton téléphone parce que c'est pas compatible avec réseau, alors tu n'auras pas le réseau après. Donc, si tu mets la carte SIM, ça va peut-être afficher le réseau, mais tu ne pourras pas émettre les appels ou alors recevoir les SMS. D'autres disent que oui, tu as la possibilité d'interroger le crédit. Donc, tu peux interroger ton crédit pour savoir le solde qu'il y a dans ta SIM. Donc, je sais pas trop, ça va dépendre de vous. Donc, si ce n'est pas compatible avec réseau, ça va vous dire automatiquement hein, si ce n'est pas compatible. Lorsqu'on ça vous dit si c'est pas compatible, alors vous allez nous contacter sur WhatsApp. Vous nous contactez sur WhatsApp, vous envoyez votre SN ou encore appeler le numéro de série et là vous allez faire le paiement. On va vous envoyer les prix sur WhatsApp. Peu importe votre pays, vous avez la possibilité de payer par Orange Money, Western Union, tu peux payer aussi par PayPal ou encore par crypto-monnaie, donc sur Binance. Et pour ceux-là qui utilisent des plateformes comme EasyChange, alors vous aurez la possibilité de payer par crypto-monnaie facilement, peu importe votre pays, que vous soyez en Afrique ou encore dans n'importe quel pays. Alors, contactez-nous uniquement sur WhatsApp. Mais avant de me contacter sur WhatsApp, rassurez-vous que vous avez déjà vérifié si votre téléphone est compatible. Si c'est compatible, vous payez. Si c'est pas compatible, non. Parce que l'application peut carrément vous dire que non, votre téléphone n'est pas du tout compatible. Et si c'est pas compatible, alors dommage. Ou l'application peut aussi vous demander de mettre à jour votre téléphone. Si on vous demande de mettre à jour, alors il faut mettre à jour à iOS 17.7 ou encore iOS 18.0. Mais je préfère que vous restez sur iOS 17.7 parce que actuellement, il y a une autre mise à jour qui va vraiment aider plusieurs personnes de la communauté parce que bientôt, il y aura le bypass avec réseau. Maintenant, pour ceux qui veulent patienter, alors vous patientez pour attendre le bypass avec réseau parce que ce n'est pas du tout sûr. Mais si vous voulez faire le bypass sans réseau, alors voilà les étapes que vous allez absolument utiliser. Donc, après l'enregistrement, maintenant, vous allez patienter 12 à 24 heures. Lorsque vous avez fait le paiement et vous avez envoyé votre numéro de série, vous patientez 12 à 24 heures. Après les 12 à 24 heures, vous prenez juste votre téléphone, vous reconnectez à l'application et là, vous appuyez juste sur Start et votre téléphone sera déverrouillé sans réseau ou encore avec réseau si vous avez déjà utilisé le code promo SchoolKit237 pour avoir une réduction sur le site officiel. Donc, cherchez, trouvez un moyen, si votre téléphone est compatible avec les autres, trouvez un moyen pour avoir une carte bancaire. J'ai déjà fait une vidéo sur comment avoir une carte bancaire étant en Afrique ou encore dans plusieurs pays. Alors,
à la description de cette vidéo, ou alors allez juste sur la playlist de ma chaîne, vous fouillez la vidéo et vous allez voir une vidéo qui va vous permettre de créer une carte bancaire pour faire les achats en ligne. Je pense que c'est trop simple ce que je viens de vous expliquer. Si vous n'avez rien compris, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi quel iPhone est-ce que vous voulez débrouiller dans les commentaires. Et maintenant, si vous voulez débloquer votre iPhone gratuitement, alors j'ai fait une vidéo et dans la vidéo, j'ai bien expliqué comment ça va se passer. Je peux vous offrir 5 licences gratuites. Donc, 5 licences pour cette application gratuitement si la vidéo atteint les conditions que j'ai données dans la vidéo. Donc, si vous voulez lire cette vidéo-là, alors cliquez ici pour aller maintenant et regarder cette vidéo si vous voulez profiter de déblocage gratuitement. Ou alors, si vous voulez savoir comment faire le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Le déblocage officiel, ça permet de débloquer n'importe quel appareil. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci.